Suite à la guerre qui oppose les colonies aux forces terriennes, une partie de la planète est ravagée. Un monde post-apocalyptique lui fait suite, se remettant peu à peu du traumatisme. L'histoire débute 15 ans plus tard. Garrod Ran, un adolescent qui survit en vendant ses services aux plus offrants, rencontre la mystérieuse Tifa, qui se révèle être une des toutes dernières New Types de ce monde. Léopardo. Air Master. Gundam X. 荒れ果てた地球の大地。今一人の少年とガンダムを巡る冒険の幕が上がる。機動新世紀ガンダムX。引き金は君が引け。 Gundam X, oui on devrait dire X mais bon je vais prendre ça à la française, fut la première série de Gundam à être diffusée en stéréo. Mais bon ça on s'en fout un peu. C'est surtout une série un peu maudite dans l'univers Gundam. Alors certes on retrouve certains éléments Gundamesques, comme les colonies ou le concept des New Types. On pourrait même clairement penser être dans un univers ici de la première série où la guerre de un an se serait terminée beaucoup plus tragiquement. A noter que dans un premier temps, il est envisagé que Toru Furia, le doubleur de Amour Oreille, intervienne dans le dernier épisode. Néanmoins, on s'éloigne pas mal de l'ambiance d'un Gundam classique. Précisons que dès le départ, Yoshiyuki Tomino avait donné carte blanche au réalisateur, Shinji Takamatsu, pour faire ce qu'il voulait. Ce monde After War nous propose divers personnages plus ou moins brisés, surtout parmi ceux qui ont connu cette guerre, comme Jamir ou Lancelot. Les New Types sont vraiment considérés comme de simples objets, uniquement destinés à des fins militaires. Dans les premiers épisodes, on ne comprend pas trop où les auteurs veulent en venir, on voit surtout les persos lutter pour leur survie, parfois uniquement pour l'argent. En fait, l'histoire met un certain temps à se mettre en place, ce qui a fait décrocher certains téléspectateurs. Mais au bout d'un moment, ça démarre vraiment, et après tout s'enchaîne assez vite. Trop vite pour la fin. En effet, prévu pour faire 50 épisodes, la série se croit condensée en 39, faute d'audience. En moyenne, elle n'a pas dépassé les 3%. Il s'agit également du Gundam à posséder du plus faible nombre de produits dérivés à son effigie. Une légende urbaine veut que ce soit la concurrence d'Evangelion, mais c'est faux. La diffusion de Gundam X a débuté juste après celle d'Eva. C'est Gundam W qui était en concurrence avec la série de la Gainax, et pourtant elle a bien mieux marché que X. On ne saura jamais ce que l'anime aurait donné avec 10 épisodes de plus, mais on sent bien que certains persos introduits tardivement, comme Lancelot ou Parla, avaient un potentiel qui restait inexploité. Les personnages, justement, à défaut d'être tous particulièrement originaux, ils sont en tout cas réussis. Un bémol toutefois en ce qui concerne les frères Frost, qui sont les grands méchants de l'histoire, dont les moyens mis en œuvre pour parvenir à leur fin sont complètement démesurés. Une chose m'a surpris dans cet animé qui, je le rappelle, date de 96. À deux reprises, on a deux scènes où il est manifeste que deux personnages vont, ou viennent de, coucher ensemble. Bon, évidemment, on ne voit rien, mais il n'y a aucun doute possible. Et je veux dire, on est quand même dans un animé classique pour la télévision. Alors oui, en 96 aussi, on a Evangelion, avec une scène de sexe sans équivoque entre Misato et Kaji, mais bon, Eva c'est Eva. Un truc que j'ai pas aimé, c'est la voix de Garrod. Autant Wataru Takagi, le comédien de doublage, est très bon quand il fait GTO, autant sur un ado de 15 ans, ben ça colle pas du tout. Initialement, il devait d'ailleurs interpréter un des deux frères Frost. Le chara-design est de Nobuyoshi Nishimura, qui a bossé sur de nombreux Gundam des années 90, je le trouve correct sans être extraordinaire non plus, les mechas par contre sont assez chouettes. Les BGM sont de grande qualité, et les génériques excellents aussi, mais c'est presque systématique sur la franchise. Gundam X est-elle une bonne série? Avec 10 épisodes de plus, elle l'aurait sûrement été. En l'état, c'est un animé seulement sympa, que j'ai pris plaisir à regarder, mais bon, voilà quoi, les persos sont bien, mais il n'y a pas le côté épique qu'on peut trouver dans d'autres opus de la saga. Il manque quelque chose pour en faire une série vraiment marquante. Même si, je me répète, elle est très agréable, si on accepte un peu la lenteur de rythme au début. C'est pas un indispensable, et d'autres Gundam sont à privilégier, mais j'en reparlerai bientôt.
かつて戦争があった。それは母なる地球を滅ぼす愚かな戦争だった。荒野となった大地に生きるために戦う少年がいた。少年は少女と出会い、そして伝説の白い機体へと導かれる。新番組機動新世紀ガンダム X、 生き延びた先には何があるのか。